Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de 2023. Et oui, ça passe beaucoup trop vite. Mais je voulais refaire une sorte de vidéo récapitulative puisqu'on a eu pas mal de choses cette année, autant en positif qu'en négatif. Mais c'est surtout que j'ai été absente pendant quasiment 5 mois sur YouTube et sur tous les réseaux en général, de février à juin. J'ai quasiment rien fait, ou alors j'ai posté des vidéos face caméra que j'avais déjà filmées quelques semaines, voire mois auparavant, parce que j'aime bien avoir des vidéos face caméra de prête au cas où, les jours, les semaines où je n'ai pas le temps de faire le montage. Mais là, clairement, c'était une grosse baisse de motivation, parce qu'on était dans une mauvaise passe avec la jument, je vais vous raconter tout ça. Et aussi pour un problème d'ordre professionnel, voilà, j'ai préféré faire une pause et j'ai repris du coup en fin juin, début juillet. Et là après ça a décollé, je n'ai pas arrêté, j'ai même fait un calendrier de l'Avent pour tout ce mois de décembre. Donc même on peut faire un après de l'Avent, si on peut dire ça comme ça, un après Noël. Mais voilà, donc que s'est-il passé cette année? Comme je l'ai dit, on peut dire que c'est une année en demi-teinte. Il y a eu autant des choses très positives, autant des choses assez négatifs. Donc eh bien c'est parti, je vais faire donc mois après mois vous raconter ce qui s'est passé et vous mettre donc des images, des photos, des vidéos qui correspondent à ces moments là donc c'est parti. Donc au mois de janvier, on vient juste d'arriver dans notre nouvelle écurie, puisque on est arrivé exactement le 26 décembre 2022. Donc clairement le mois de janvier a été le mois vraiment où on s'est intégré dans l'équipe, où la jument a pris de nouvelles habitudes parce qu'elle était sortie au paddock donc tous les jours. Voilà, moi je venais la monter. L'écurie est un peu plus loin de mon travail que de l'ancienne. L'ancienne, j'étais à 2 minutes en voiture de mon travail. Là actuellement c'est c'était puisque je n'ai plus le même travail, j'avais quasiment 20 minutes, donc un peu plus long, mais ça reste raisonnable. Voilà, on se fait toutes les deux à une nouvelle routine. Cependant au travail c'est assez compliqué. Je commence à prendre des cours avec donc le coach de ces écuries et clairement on se rend compte que j'ai une monte assez cavalier de club, vraiment comme ce qu'on m'a toujours appris. J'ai vraiment une monte comme n'importe quel cheval de club, sauf que Vanille n'est rien d'un cheval de club. Autant elle est facile, autant il y a certaines erreurs qu'elle ne pardonne pas, et elle a toujours été montée par des pros, donc il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire avec elle, comme par exemple m'accrocher aux rênes lorsque ça va un peu vite, ou voilà, c'était vraiment le défaut que j'avais, notamment au niveau de la main. Dès que la jument commençait à prendre un peu de vitesse, je me bloquais et c'était un cercle vicieux en fait, puisque comme on était en hiver, il fait froid et du coup elle avait un peu beaucoup trop d'énergie, et je n'arrivais absolument pas à canaliser cette énergie. En fait je bloquais mes mains, donc en fait je bloquais la jument, je bloquais, puis elle explosait, donc j'enchaînais les chutes, j'enchaînais les mauvaises séances. Ensuite du coup février, nous sommes toujours dans la mauvaise passe, mais qui commence à devenir vraiment compliqué. Les paddocks ont fermé puisque c'était plus de la boue, il y en avait jusqu'aux genoux, les chevaux ne voulaient même plus rentrer dans les paddocks, donc on a fermé les paddocks. Et à partir de ce moment là c'était quand même assez compliqué. Je venais quasiment tous les jours, il fallait que je vienne tous les jours pour sortir la jument, la dégazer en longe. Elle devenait explosive alors qu'elle est vraiment d'une facilité allongée normalement. C'était compliqué, mais pendant les vacances de février, je fais un stage pour passer mon galop 7 avec donc une nouvelle monitrice qui m'ouvre beaucoup de portes, d'objectifs, d'axes de travail, qui me permet vraiment de comprendre la jument, de comprendre comment je dois la monter, comment je dois prendre l'énergie qu'elle a en trop pour le mettre dans le travail et le transformer en quelque chose de positif. Donc voilà, franchement on sort de ce stage d'une semaine avec plein d'objectifs dans la tête et en ayant beaucoup travaillé.
Cependant, au mois de mars, elle me fait une tendinite pour plusieurs raisons. Je vous en ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Et ce qui fait qu'elle est dans un repos total. Enfin, c'est une tendinite, mais c'est vraiment le tout début de la tendinite. On me propose deux solutions. Soit je continue de travailler, mais j'arrête l'obstacle et je fais un travail léger, ou je la mets totalement au repos pour que ça se remette mieux. Clairement, vu qu'on est dans une mauvaise passe, ça servait à rien de forcer, donc je mets au repos complet. Elle avait juste droit de marcher, donc j'ai commencé au début à marcher un peu en carrière à cheval. Ensuite, j'ai arrêté parce que la jument devenait un peu zinzin à ne faire que de marcher. Donc, et bien tout simplement, elle faisait du tapis et un peu de marche en manège. Donc, elle a fait ça pendant 4 semaines, pardon, quasiment pendant tout le mois de mars. Moi, ça m'a permis aussi de respirer, de ne pas forcément venir la voir tous les jours, de reprendre une vie d'humain autre que propriétaire à côté, ce qui m'a fait beaucoup de bien et ce qui nous a beaucoup rapprochés à pied, parce que je n'allais pas la voir que pour monter, on ne se battait pas à chaque fois qu'on faisait une séance, donc c'était beaucoup mieux. On a passé beaucoup de moments à pied, beaucoup de moments câlins, papouilles, massages, et c'est quelque chose qui lui a beaucoup plu et qui nous a rapprochés toutes les deux. Ensuite, au mois d'avril, notamment le début du mois d'avril, j'ai été très peu présente pour la jument puisque je préparais un examen. Et comme la jument était arrêtée et qu'elle ne faisait que du tapis, tout ça, ça m'a permis, moi, de mon côté, de réviser et de préparer mes examens. Et on a commencé fin avril une remise en route progressive de la jument. Donc d'abord du pas monté, puis on a mis du trot, donc d'abord en ligne droite, puis en courbe, puis un petit peu de galop, et ensuite on a commencé à refaire des séances de plat normales, et ainsi de suite. Voilà, tout ça en shootant au début, j'étais obligée puisque elle était un peu folle, et c'est comme une, c'était de la rééducation, donc il fallait pas qu'elle soit trop violente et trop explosive pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, elle a pu retourner au paddock, donc fin avril. Donc ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été au paddock, elle était extrêmement heureuse, mais entre-temps, voilà, les paddocks avaient fermé à cause du mauvais temps. Ensuite, ils avaient rouvert, mais moi, la mienne, elle n'avait pas le droit d'y aller. Donc ensuite, voilà, remise au paddock, super contente. Au travail, au final, ça a commencé à se remettre plutôt pas mal. Au mois de mai, du coup, reprise réellement du travail. Très positif, une jument qui est très volontaire, qui travaille extrêmement bien. Les choses qu'on n'arrivait pas avant, eh bien, elle comprend, mes demandes sont mieux. Le fait d'avoir fait une pause, ça nous a vraiment permis de se reconnecter, si je peux dire. Donc vraiment très bien sur la reprise du travail. En plus de ça, début mai, la jument a été mise au champ. Donc voilà, elle est passée en pension champ H24 avec des copains, ce qui lui a fait beaucoup de bien aussi au moral. Bon, je reprends, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Mais du coup, oui, au mois de mai, donc la jument est en pension champ. Et ça lui fait beaucoup de bien, autant physiquement que moralement. Donc ce n'est que positif. Ensuite, donc, au mois de juin, on reprend le saut. Parce qu'au mois de mai, j'ai dû sauter de petites croix. J'ai refait un peu de barre au sol, un peu de petites croix, parce qu'elle était folle hystérique sur les barres. C'est une jument qui a toujours fait du saut d'obstacle en compétition en assez haut niveau. Donc c'est une jument qui, voilà, sautait, sautait, sautait. Et je pense que ça lui a un petit peu manqué pendant autant de temps de ne pas franchir de barre. Donc elle était très explosive, mais elle restait quand même contrôlable. C'est juste qu'il y avait 30 cm à sauter, elle sautait 1,40 m. Mais ça va, j'arrivais à rester dessus. Ensuite, donc, juin, reprise de l'obstacle progressif. D'abord des petits obstacles isolés, ensuite un petit parcours pas très haut, et ensuite on a commencé à augmenter. On a quand même fait aussi de belles hauteurs, avec pour objectif de retourner en concours, parce que du coup on n'a pas fait un seul concours de l'année 2022. Donc on se prépare pour cet objectif-là. Début juillet, je crois que c'est le 2 ou le 4 juillet, retour en CSO. Donc on fait une prépa 90 ou 95, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était une prépa 95, où on fait sans faute. C'était également notre premier concours seul. J'ai loué un camion, on y était, je me suis engagée toute seule, et c'est mon copain qui m'a fait la détente. J'ai fait Marocco toute seule.
On se rend compte lors de ce concours qu'il y a pas mal de choses à régler parce que la jument à la maison, la jument concours, elle n'est pas tout à fait pareille. Donc voilà, plein de choses à régler, plein d'objectifs. Franchement, on est au taquet pour reprendre voilà, les objectifs sportifs. Cependant, au mois d'août, je n'ai pas de possibilité d'aller en concours puisque je n'arrive pas à louer de camion à prix raisonnable pour aller en concours. Donc c'est pas grave, on s'entraîne à la maison, on saute de belles hauteurs à la maison, on se fait plaisir, on commence vraiment à bien se comprendre, c'est sympa. Et également au mois d'août, j'achète un vent. J'ai passé ma formation B96 en juillet et en août j'achète le vent. Il manque plus que la voiture pour pouvoir partir en concours. Ensuite, au mois de septembre, reprise des concours. Une copine nous prête sa voiture pour nous emmener en concours. Premier concours du mois de septembre, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Autant très déçue de l'organisation du concours, du lieu de concours en lui-même que je ne connaissais pas, du parcours en lui-même et de ma performance ce jour-là, rien n'allait. Après, voilà, c'était un peu beaucoup de stress. C'était pas une prépa, c'était une club 1. J'y allais avec des objectifs de gagner. Donc voilà, c'était un peu trop d'émotions, beaucoup trop de choses qui n'allaient pas lors de ce concours-là. Donc on fait une très grosse contre-performance avec deux refus. Et voilà, on termine le mois de septembre à travailler à la maison mais en étant un petit peu découragée. La jument s'arrête de plus en plus à la maison alors qu'elle ne s'arrêtait jamais et j'ai l'impression qu'elle perd son envie d'aller faire du concours. C'est compliqué. Mois d'octobre, j'avais déjà engagé deux concours. Donc je me dis, on va déjà faire le premier, on voit comment ça se passe. Si la jument ne veut pas, eh bien on arrête là, on fait une pause. Donc on se rend sur le concours, toujours sur une club 1 et là un lieu que je connais qui est sympa, où l'organisation est top, où le parcours est logique si je peux dire, donc c'est-à-dire généralement avec un début de parcours plus facile que la fin, alors que l'autre parcours, l'autre concours c'était un début très difficile et une fin facile. Je trouve que ce n'est pas forcément logique. Et la jument est vraiment en forme, vraiment bien. Elle me fait un très beau parcours et nous sommes sans faute. Pas classée mais sans faute. Alors le sans faute qui fait extrêmement plaisir. On retravaille une seule fois à la maison. C'est bien mais pas ouf. Et on fait donc la semaine d'après le deuxième concours prévu pendant le mois d'octobre et là une jument totalement différente de ce que j'ai eu dans tous les autres concours, mais vraiment une jument qui est là pour la victoire, qui est là pour tout défoncer. Elle me fait des sauts de malade et on finit sans faute classé 3e. Voilà, nous avons eu notre premier podium ensemble. Donc voilà, très contente de ce mois d'octobre qui a été assez court. Puis après moi je suis partie en vacances, donc la jument elle a été un peu en vacances, un peu travaillée par mes copines. Et voilà, il y a beaucoup de mieux, beaucoup de positifs. Mois de novembre, je rentre de vacances, je me remets tranquillement à cheval. La jument aussi, je la remets un peu en route puisqu'elle a eu quelques donc jours de repos. Je la trouve bien mais un peu redouille, un peu... Alors je me dis bon, c'est le froid qui commence à arriver, donc on va me faire des détentes un peu plus longues, on va prendre un peu plus notre temps. Et au final, mi-novembre, elle me déclare une boiterie au trot en courbe. En ligne droite, au pas, au galop, ça va, mais au trot dans les courbes, boiterie. Bon, j'arrête là, je la mets un peu au repos, surtout que c'est une boiterie antérieure gauche, là où elle m'a fait la tendinite début d'année. Donc je me dis, bon, ça pue, on met au repos, parce que le repos, ça ne peut faire que du bien. Et j'avise les jours d'après. Et en quelques jours, ça se dégrade énormément. Mais après avoir eu la vétérinaire au téléphone, je lui donne les symptômes. Et elle me dit clairement, pour moi, ce n'est pas une récidive de tendinite. Pour moi, c'est un abcès. Donc si vous pouvez la rentrer au chaud, au box, au sec, je passe le lendemain pour voir ce qu'il en est. Elle passe. Par chance, il y avait un box de libre. Donc
je la mets au box, elle passe le lendemain, c'est un abcès, elle le vide, il était bien, bien plein, bien foncé. Voilà, et c'est parti pour quelques jours en box. La jument qui, pour le coup, ne vit pas du tout bien le box, alors qu'elle avait fait 13 ans de sa vie au box sans aucun problème. Là, je pense qu'elle a trop kiffé le champ et qu'elle s'est dit, il est hors de question qu'on retourne dans un box. Elle a fait même pas une semaine. Si elle a fait 7 jours de boxe, puisque son abcès a très bien guéri et était très propre, très très bien. Donc le maréchal l'a referré et elle est retournée dehors. J'ai voulu lui laisser encore une semaine de repos pour qu'elle se remette tranquillement de son abcès, même si elle ne boitait plus. Donc là en tout, ça faisait quasiment 2 semaines et demie de repos. Et au fur et à mesure des jours d'après, je la sentais de moins en moins à l'aise dans ses pieds et elle redevenait pas boiteuse mais irrégulière. Alors je me dis, bon, c'est pas logique, l'abcès est fini, est-ce que c'en est pas un deuxième? Est-ce que le maréchal regarde? Non. Les fourchettes sont très bien, les pieds sont beaux, donc pas un problème d'abcès. Bon, bah, qu'est-ce que ça pourrait être? Et c'est que 2 semaines après, donc là au mois de novembre, que je me rends compte et que j'ai honte. Mes problèmes, c'est que on m'en a jamais parlé dans mes... Ça fait 15 ans que je suis cavalière, on m'a jamais vraiment parlé, dit ce que c'était, ce que la gale debout, en fait, tout simplement. Autant dans les livres ou dans les articles, dans la presse, dans les... On parle vraiment des cas les plus graves. Autant je n'ai pas pu, je n'ai pas remarqué que c'était un début de gale debout, donc j'ai mis 2 semaines à commencer à faire les soins, ce qui est énorme. Mais voilà, j'ai fait les soins. Enfin là, je suis actuellement encore en train de faire les soins, ce qui est quasiment quasiment parti. Je remonte également la jument au pas et au trot, puisque la gale debout ne l'empêche pas, ne la fait pas boiter. C'est juste que c'est pas agréable pour elle, notamment d'aller dans la boue. Mais je reprends un travail un petit peu pour garder du muscle et pour garder un petit peu de souplesse, puisqu'elle devient un peu raidouille à ne rien faire au champ. Donc voilà, on retravaille un petit peu ça tranquillement, mais sans vraiment une reprise de travail. On ne travaille pas, on fait des tours de piste en fait, en changeant un petit peu d'attitude et en changeant d'allure, et ça a l'air de plutôt bien lui convenir. Donc voilà pour cette fin d'année qui est, voilà, on est un peu dans une période un peu négative, mais c'est pour mieux commencer l'année prochaine, pour qu'on voit vraiment une ascension et qu'on va, voilà, remplir tous nos objectifs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à notre année, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et on se retrouve dans 2 jours pour la dernière vidéo de 2020.